En fait, c'est vraiment mon kit préféré. C'est vraiment le truc que j'ai toujours adoré avoir avec des splashes et des plein de cymbales, plein de tomes. Et c'est vrai que j'avais laissé tomber ce gros kit parce qu'il y avait moins de place sur des Pratos. Par exemple, quand je faisais la Nouvelle Star, on me disait qu'il n'y a pas beaucoup de place, c'est mieux de jouer avec un tome et deux tomes basses. Alors je montais quand même un rack, ça évitait d'avoir des pieds qui dépassent du stand, donc c'était plus facile pour poser mes cymbales. Et puis c'est vrai, sur les tournées comme Boel, il n'y avait pas vraiment besoin de splash, c'était beaucoup plus pop, rock. Donc j'avais pas besoin vraiment de tout cette armada de cymbales, donc j'avais fait des kits un peu différents, quoi. Mais c'est vraiment mon kit de prédilection en fait. J'aime vraiment ce côté-là avec des splashes, plein de sonorités de cymbales différentes et puis plein de fûts, j'adore ça en fait. J'ai monté mon gros kit avec 3 tomes médium, 2 tomes basses, avec 10, 12, 13, 14, 16, 22 en grosse caisse. Et j'ai monté comme un peu la même config que j'avais sur la tournée Bruel il y a 3 ans, un kit avec une grosse caisse de vin, une caisse claire, un charlet et une cymbale. Mais j'ai rajouté un SPD en plus et des capteurs sur la grosse caisse et sur la caisse claire. Et là, je vais peut-être faire évoluer ce système-là, c'est-à-dire d'avoir un deuxième kit vraiment réglé avec des capteurs sur chaque fût, pour pouvoir déclencher plein de sons différents, avoir vraiment un panel de sonorités totalement différentes partout. C'est important. Aujourd'hui, je pense qu'on demande beaucoup de sons différents dans les musiques actuelles. Moi, je me rends compte, en fait, quand j'écoute les albums qui passent à la radio, les nouveaux artistes, tout ça, il y a de moins en moins de vrais musiciens qui jouent, c'est beaucoup de programmation. Et donc, moi qui aime le côté très acoustique de l'instrument, j'ai envie de mélanger ces deux choses-là, en fait. Donc, je commence à me mettre vraiment à bosser sur ça. Plus, évidemment, mon truc avec toutes mes caisses claires que j'ai habituellement. Donc là, je fais un mélange de tout, plein de caisses claires, des sons électroniques, une grosse batterie, voilà. Moi, j'ai toujours fait un peu ça, mais c'est vrai que là, on chante un peu tous sur les morceaux, mais sur celui-là, j'étais un des seuls à aller aussi haut, à chanter aussi haut, même si je m'arrache un peu la voix, mais j'arrivais à monter assez haut, donc j'ai pris le parti de faire cette chanson-là, quoi. Voilà.